fait, je voulais vraiment, vraiment vous remercier pour tout votre soutien, tout ce que vous m'avez apporté pendant mon absence. Sachez que peut-être vous en êtes pas rendu compte, mais quand t'es vraiment accusé à tort ou à raison, peu importe, de tout et de rien, et que tu reçois beaucoup de soutien, beaucoup d'amour, beaucoup de présence, etc., même si c'est virtuel, ça a un très grand impact psychologique et émotionnel, déjà, ça faut savoir. Et le fait que vous ayez été là, ça m'a beaucoup aidé. Franchement, ça m'a beaucoup aidé. Je voulais vraiment vous remercier par rapport à ça. Merci, mais mille fois. Vous avez changé ma vie. J'en suis totalement reconnaissante. Vous m'avez apporté plus que ce que vous imaginez. Et franchement, avant de commencer, je voulais déjà vous remercier par rapport à ça. Je me suis sentie beaucoup moins isolée, beaucoup moins seule. Et le fait de vous savoir présente à mes côtés, ça m'a fait du bien. Le fait de voir tout cet acharnement médiatique, cette pression que j'avais autour de moi, mes erreurs aussi, mais que vous soyez là, ça m'a trop ému, ça m'a trop touché. Franchement, là, je lis vos messages, il y en a tellement, j'ai pas tout partagé sur Snap parce qu'il y en a tellement. Mais si vous saviez comme vous m'avez fait du bien, comme vous faites du bien dans ma vie, c'est inexplicable. Franchement, je voulais vous remercier par rapport à ça parce que c'est très très sincère. Après, mais en fait, je pense que vous savez pourquoi j'ai pris une pause. Si j'ai pris une pause, c'est que vraiment j'étais à bout. J'étais vraiment à bout de tout ce que je pouvais surmonter. C'était trop dur. C'était insoutenable pour moi. J'ai préféré partir. Déjà, quand je vous ai fait la lettre juste avant de partir, que je vous ai lu, à ce moment-là, je ne savais même pas si j'allais revenir ou si j'allais plus jamais revenir. J'étais pleine de culpabilité, de tristesse. Je me suis tellement sentie coupable. Et si vous saviez à quel point je me suis sentie coupable, du coup, bah, j'étais pas bien. J'ai préféré prendre du temps pour moi. En plus, juste avant ça, il y a eu l'épisode avec Alan, le divorce, etc. Ça a vraiment été trop pour moi. J'ai préféré me mettre en retrait un petit peu. Donc, je pense qu'il n'y a pas de réel suspense par rapport à ma pause. Vous avez tout suivi, donc vous devez savoir. En fait, c'est très, très difficile pour un humain de ressentir toutes ces émotions. Surtout quand tu es attaqué, surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, à tort ou à raison, c'est trop dur. Les fake news, les inventions. Ah, j'étais à bout, j'ai dit. Ça ne sert à rien, je ne vais vraiment pas être productive. Je ne vais vraiment pas être celle que je veux être. Donc, je préfère me mettre en retrait. Ça m'a fait beaucoup de bien, en tout cas. Ça m'a fait beaucoup de bien, et je pense que ça nous a toutes fait du bien. Je pense à vous aussi. Après, mes poupettes, concernant mon absence, ça m'a vraiment permis de me retrouver avec les enfants. J'ai fait le point mentalement, même si c'était très très dur au début. Je me suis pas laissée abattre, je me suis repris en main, je me suis retrouvée avec mes enfants, mes émotions. J'ai été très entourée par mes amies. Voilà, elles ont été très présentes pour moi. J'ai toujours refusé, enfin pas refusé l'aide, mais parfois quand tu fais des erreurs, tu as du mal à entendre que tu fais des erreurs. J'ai pas toujours été, on va dire, sur la défensive, mais à la limite, vous voyez. Puis là, je me suis vraiment laissée guider, je me suis laissée me faire aider, j'ai accepté de l'aide, j'ai accepté d'être de mon entourage, ça m'a fait beaucoup de bien. En plus, juste avant, je vous avais dit, j'avais commencé une thérapie avec... J'ai fait plein de choses pour mon appartement que je vous montrerai. Enfin, voilà, bah, vous verrez, je vous montrerai. Maria, elle a été là pour moi. Maria et moi, on a créé encore des liens encore plus forts. Elle a été très présente pour moi, je suis très reconnaissante. Je suis très heureuse de l'avoir dans ma vie. Elle m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, vraiment. Et voilà, c'est que du positif. Malgré ma fragilité, mes poupettes, tout ce que je fais, vous le savez, c'est pour mes enfants. Je reste une femme forte. Et je sais que je suis une femme forte. Vraiment, après tout ce que j'ai enduré dans ma vie, que ce soit de ma faute ou non, parce que pas tout est de ma faute, malheureusement. Même s'il y a une grande partie, oui. Regardez, je reconnais, je le sais. Donc, voilà, je fais tout ça pour eux. Donc, voilà, ça m'a fait du bien. Mes poupettes, du coup, j'ai plus du tout envie de m'éterniser sur ça. Franchement, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. J'ai juste envie d'aller de l'avant désormais. J'ai pris des décisions et je continue d'en prendre. Maintenant, je ne vois pas du tout l'intérêt de le dire ou de les exposer. Vous le remarquerez par vous-même, je pense. Donc voilà. Par rapport aux réseaux sociaux, j'ai envie de vous dire un truc, mais ben, je compte bien y rester. Non, sérieux, parce que voilà, vous êtes là. J'ai plein de projets, j'ai plein de belles choses à vous montrer. L'aventure, elle n'est pas terminée. Voilà, quand on vit une histoire, une vraie histoire, il y a toujours des bons moments, des mauvais moments. Là, c'est un mauvais moment. Là, on en verra des bons, tout ensemble. Donc ça, c'était ce point-là. Les réseaux sociaux, mais peut-être, comme vous le savez, partager pour moi, c'est une passion. Avoir créé des liens avec vous, c'en est une autre aussi. Donc vraiment, c'est pas des anonymes, des personnes malveillantes qui vont m'empêcher de faire ce que j'aime. J'aime partager. Voilà, j'estime que je fais rien de mal. Donc voilà, je compte pas me laisser abattre. Et vous m'avez bien donné l'envie de ne pas me laisser abattre et d'avancer et de devenir vraiment une personne meilleure.
Voilà, vous êtes une partie très importante dans ma vie, vous êtes une très grande part de moi, quoi qu'on dise. C'est très sincère, vraiment, je ne joue aucun jeu. Je ressens vraiment de belles choses pour vous, je ressens un attachement. Vous m'avez beaucoup aidé à prendre conscience, parce que mine de rien, en vrai, mes poupettes, une personne qui veut mon bien, elle me dit les choses, qu'elles soient positives ou négatives, comme mon entourage a pu le faire. Et il y a énormément de poupettes qui l'ont fait, ça. Et je vous en veux pas du tout. Je vous en veux pas du tout parce que si j'avance et si je grandis, si je mûris, si je me stabilise, ce sera aussi grâce à vous. Donc voilà, mes poupettes, je voulais pas m'éterniser plus que ça. Même si je t'en demande encore, c'est qu'à moi ça sert. On communique dans le skirt, skirt. Trop méchant, ils veulent nous skirt, skirt. Moi j'ai pas comme un verre, skirt, skirt. Ah doudou, c'est toi la seule, seule. Depuis le... Bonsoir les petites beautés, j'espère que vous allez bien. Il est 23h ici, je viens de finir et j'essaie de vous laisser aucun indice parce que demain, j'ai trop hâte de vous faire mon room tour. Écoutez, là, je peux pas vivre caché comme ça. Là, si je me déplace, il y a un miroir juste derrière, vous allez tout voir. Donc là, je peux pas vivre sur la retenue comme ça. Demain, je vais vite les déposer, ça y est tout, à l'école. Et quand je rentre, je vous fais le home tour. Donc ça sera pas dans la soirée, ce sera dans la matinée. Là, en fait, j'étais en train de faire tous mes montages, mes vidéos et tout. J'ai trop hâte. J'ai juste hâte d'avoir votre avis. Là, vous m'avez tellement manqué. Je suis trop, trop bien avec vous. Je me sens trop bien. Je lis tous vos messages depuis tout à l'heure. Je suis en train de répondre à plein de poupettes. Ça fait grave plaisir. Je voulais vous dire quoi d'autre. Je vais faire une FAQ ce soir-là. Je vais faire une FAQ. Je vais répondre à toutes vos questions, mes petites reines. Parce que vous posez plein de questions. Plein de questions qui sortent un peu de partout. Du coup, je vais répondre comme ça. On part sur de bonnes bases. Tout est clair.